soldat de tête, qui a l'air d'être un capitaine, ce genre de choses. Il semble avoir un tic. Il manipule sans cesse un objet assez étrange, pourvu d'engrenages, que vous identifiez. Et vous entendez d'un coup Malzerbe descendre de son chariot. Et qui a l'air littéralement fasciné par l'objet. Et quand il commence, donc le chariot... Est-ce que je le remarque aussi? Ouais, tu remarques aussi, absolument. Est-ce que du coup il attire aussi mon attention à ce... Et je dirais ce même, une obsession chez moi, ce genre de truc. Tu sembles voir que toi et Malzerbe, vous avez plus ou moins la même obsession. Et je vais activer ton travers, et tu vas également gagner un point de... Et oui. Et donc, vous les voyez tous les deux qui s'avancent vers le... sans aucun effort de discrétion, de prudence, quoi que ce soit. À pas presser vers justement le capitaine. Et qui commence à discuter. Le lieutenant qui leur dit Alton, nous devons fouiller vos chariots. Et t'as Malzerbe qui leur va dire oui, absolument, absolument, monsieur le soldat, capitaine, lieutenant, ce que vous êtes. Néanmoins, je suis tout à fait d'accord que vous fouilliez tous ces chariots, hein, aucun problème. Je serais particulièrement intéressé par contre par ce mécanisme que vous avez en collier en échange. Nous sommes tout à fait prêts à vous laisser fouiller tout ce que vous voulez, mais. Laissez-nous juste regarder. Absolument, oui, regardez. Et puis il te regarde, à toi aussi. Et vous avez un espèce de regard complice d'un autre, comme deux gamins qui seraient en train de jouer à des Lego. Qu'est-ce qu'on réagissait les autres? Je comprends pas, moi. Pour le coup, vous voyez effectivement donc, du coup, le capitaine qui essaie de. Le lieutenant qui est en train de. Qui est en... Main sur le pommeau, qui est en train de discuter avec Malzerbe et. Igvar. Igvar, merci, j'étais en train de chercher ton nom. Et tandis que. C'est ça. Tandis que. Du coup, une douzaine de mousquetaires se répartissent autour de votre chariot et commencent à approcher et à regarder ici et là le chariot. Moi, je suis partagé en fait. Je suis en train de me dire qu'est-ce qu'ils font ces deux couillons. Et je suis en train de me dire aussi, mais peut-être que c'est une manière détournée de. Voilà, de détourner l'attention aussi, tu vois. Je me dis, je suis un peu entre deux. Donc. Je suis dans les spectatives, donc je vois approcher ces mousquetaires et... Tu te dis qu'on pourrait pas être aussi con que ça, c'est ça? Bah c'est ça, en vrai, bah oui. Je me dis, ils vont pas quand même, juste pour un pauvre un bibelot. Et ouais, je suis un peu dans en mode, est-ce qu'ils vont vraiment fouiller ou pas, quoi. Et effectivement, les mousquetaires, ils s'approchent et ils commencent à soulever les bâches, à regarder ici et là. Que vous laissez faire? Bah oui. Bah, c'est pas moi qui vais m'interposer. Hein. En fait, genre, je me dis si Malzerbe les laisse faire, c'est qu'il y a aucun risque. En fait, on transporte rien de chelou. Mais est-ce vraiment le cas? Bah là, moi, j'avise mes compagnons qui sont dans le chariot avec nous et je leur dis vous ne trouvez pas ça étrange que des mousquetaires à la solde de Rimbaud soient en train de fouiller nos chariots à la recherche de quelque chose d'étrange, comme ils disent, ou de bizarre, ce que nous transportons en plus. Mousquetaires ou pas, il ne faut certainement pas les laisser tomber dessus, la main dessus. Je ne réponds qu'à Rimbaud et pas à ses hommes. Jouons le jeu pour l'heure, à moins que vous ne vouliez affronter une douzaine de mousquetaires à vous seul. Oh, cela ne me ferait pas peur. Est-ce qu'ils ont vraiment une démarche et un comportement de mousquetaire? Alors, toi et pour Malzerbe, tu ne sais pas. Vous êtes trop captivé par le. Oui, le bleu. Les trucs. Ouais. Il a un joli collier, le monsieur. Chut. Bah écoute, je vais tenter de l'acheter en mode regardez, ça c'est mieux, en lui donnant de l'argent. À qui? Bah au capitaine, enfin genre celui qui a l'air plus gradé. Ah, il veut juste regarder monsieur, restez assis sur le chariot pendant la fouille complète de votre véhicule. On est en train de perdre un temps précieux. Du coup, moi j'avance, je descends.
du chariot. Restez sur le chariot. Du coup, moi, je descends du chariot. je me penche vers... du coup, j'étais pas loin de d'Ethan et de Scord, j'imagine. Alors non, t'es à l'arrière, du coup. Ah, merde. Eh ben, je reste sur le chariot, mais je me déplace sur le chariot. Ok, donc tu grimpes... à hauteur. Bah non, je zigzague entre le à l'arrière quoi, pour me frayer un chemin vers l'avant pour arriver à niveau de Rolf et de Skorg. Je sais pas si où ils se trouvent exactement sur Rolf le chariot. Rolf est sur le toit du chariot. Eh, sur le toit. Ouais. Skorg. Skorg est sur le toit du chariot et ouais. Rolf et Marie okay. Qui sont à l'avant. Mais Rolf vient de descendre. Descendre. Ça dépend. Parce que... Moi, je vais me glisser à l'avant du chariot tout en restant sur le chariot. Hein. Évidemment, je respecte l'ordre. Elle grimpe comme ça, c'est pareil sur le côté. Elle, avec grâce. Presque à 4 pattes. Ah, d'accord. Donc en t'accrochant comme tu peux ici et là, tu peux tomber sur Skorg au passage, mais donc tu te rattrapes. Ah non, mais il est au-dessus. Ah oui, mais en grimpant. Et tu peux entendre que moi je me déplace comme c'est si ça. J'allais descendre. Exactement. Et tu te rapproches du haut-vent et tu te penches vers le haut-vent. Et ta tête tombe pile poil entre Marinette et Rolf qui est en train de descendre, donc, qui a mis une jambe hors du chariot. Je sursaute légèrement de cette proximité d'ailleurs. Et je leur murmure, ces mousquetaires ne m'ont pas l'air nets. Ils me semblent vraiment très différents de ceux que nous avons déjà croisés. Évidemment. Je me lève et je dis tout à fait. Ah, du coup, je descends du chariot. Et je sais pas s'il y a déjà un groupe qui est autour. Là, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont comme ça, ils sont de part et d'autre. Ok. Bah, du coup, je m'avance près du premier groupe qui est là. Et je leur dis vous ne fouillerez pas ce chariot. Et t'entends leur chef qui fait ils fouilleront ce chariot, que vous le viez ou non. Et, capitaine. T'es un capitaine ? Non, ouais, je sais pas. C'est un lieutenant, ce que tu veux. Okay. Lieutenant, on va dire lieutenant, sinon je vais... Lieutenant, est-ce que je peux vous parler ? Absolument pas, remontez sur votre chariot et laissez mes hommes procéder à la fouille. Et vous, arrêtez de tripoter à mon collier, dit-il en désignant les deux érudits qui sont devant lui. Mais laissez-nous juste regarder, maître, mon précieux. On vous a dit, vous pouvez fouiller tout ce que vous voulez, Rolf, laissez-le faire, voyons. Ils peuvent fouiller, dit Malzerbe. Allez, le collier, quoi, filez-le, le collier. Il n'en est pas question. Nous ne répondons pas à ces hommes. Ah bon ? Malzerbe qui est en tant que vicomte Henri de Malzerbe, je vous demande, Rolf, de remonter sur cette saleté de chariot et de laisser faire ces braves hommes qui sont juste là pour faire leur travail, voyons. Et, il est venu vers moi ou il est resté là-bas ? Il est resté là-bas, il gueule depuis là-bas. Okay. Ouais, il a de la chance. Est-ce qu'au bout d'un moment, je pourrais pas trouver l'inquiétude de Rolf Non, c'est foutu. Mais Rimbaud n'est pas avec nous, hein. Non. Moi, je leur glisse à l'oreille aux troupes qui sont près de nous. Et je fais, allez, on s'arrange. Prenez cet or, allez le dépenser à la taverne, dans les catins, dans ce que vous voulez. Et faites comme si vous l'avez vérifié. Et le truc, c'est que tu vois qu'il te prête absolument pas attention. Et le deuxième groupe qui est près de l'endroit où se tenait Fiora, parce que maintenant Fiora doit être plutôt genre comme ça, c'est approché vers le fond. Et tandis que effectivement, celui qui passait par la droite de groupe est focalisé sur Rolf, qui a l'air d'être plutôt non coopératif. Ah, c'est clairement. Les autres, effectivement, sont passés à l'arrière et commencent à soulever la bâche à l'arrière. Je m'interpose entre la bâche et eux. Okay. Monsieur, nous sommes en train de discuter, soyez patients. Est-ce qu'on peut dénoter dans leur comportement s'ils ont la rigueur de militaire ou ils ont plutôt l'air d'être des malfrats qui fouilleraient un trésor potentiel. C'est ce que je t'ai donné en fait, du coup. Ouais. Mais effectivement, ils font un peu rustre, mais après, comme tout soldat qui est pressé de faire son taf, en fait, et d'entretuer. Mais leur uniforme est réglementaire, enfin. Il a l'air. Il n'y a pas de traces de sang. Non. Il n'y a pas de traces de combat, il n'y a pas de déchirure. Ok. Messieurs, soyons raisonnables. Vous êtes payés combien par journée ?
Si je triplais votre salaire juste pour ne pas regarder. Écoute, étranger, reste là où t'es et laisse-nous faire notre travail. Et du coup, il t'ignore complètement et il se lève la vache. Je dis à mes camarades, jouez le jeu. Nous avons ici une lettre signée de la main de Rimbaud. Vous voulez vraiment essayer de fouiller ce chariot? C'est du bluff que tu tentes là? Ouais, clairement. J'ai dit une vérité en essayant d'intimider. Et tandis que. C'est intéressant. Tu vois, je glisse le nom Rimbaud, normalement ils sont censés la connaître. C'est ça. Le lieutenant capitaine. Avec eux, ils sont en mode. Nous connaissons tout de cette femme et. Elle n'a pas autorité ici, dit-il. Laissez-nous faire notre travail. Ce sera bientôt terminé. Et tandis que derrière, du coup, les autres, ils ont soulevé la bâche. Toi, Scorp, qui regarde, tu en vois un qui pousse l'autre du Queen. Et il y en a un autre qui se met à siffler, du coup. Je prends un truc pour un bibelot qui ne sert à rien. Et je fais en direction de Rolf. Je crois qu'ils ont vu ce qu'ils ont voulu voir. Je prends une planche qui traîne là et j'attends de voir ce qui arrive. En faisant mine que je veux juste la ranger de base. Donc du coup, au moment où il y a le coup de sifflet qui retentit, ceux qui étaient à côté de Rolf sans vraiment le quitter les yeux continuent à approcher. Et ils ont un espèce de regard entendu avec les autres qui sont à l'arrière. Qui jette un coup d'œil sur le reste du convoi. Et de nouveau un regard entendu, un hochement de tête. Et ça commence à retirer le coffre de l'arrière. Non, si j'étais vous, je ne toucherais pas à ça. Et t'as du coup leur capitaine au fond qui gueule, qui fait... Laissez faire mes hommes, ils doivent faire une fouille rigoureuse de tout ce que vous avez. Nous ne voudrions pas avoir des outils de contrebande sortir de cette ville, n'est-ce pas? Dit-il en se tournant vers Malzerb. Et Malzerb qui est en mode, absolument, voyons, lieutenant, faites-les. Mais oh, laissez-les faire, voyons, ils veulent fouiller, laissez-les fouiller. Bon, ça me gave, je mets un gros coup de planche sur ceux qui touchent à la malle. Et ben, du coup, vous allez. Du coup, ben, ça va être séquence d'action, on va changer de ton, comme dirait l'autre. Et. J'ai envie de dire, vous allez tous me faire effectivement dire votre approche et nous allons commencer par Marinette. Bah, moi j'y vais carrément à l'épée. Finesse, arme blanche, hein, Cérine, tu connais le principe. Fiora, quelle va être ton approche? Ça semble partir en cacahuète. Je vais essayer d'aller à contresens des personnages belliqueux du groupe. Et je vais essayer de, comment dire, de faire retomber la pression en essayant de persuader à la fois mes camarades et les soldats qu'il n'y a pas de quoi tirer sa lame, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin de tirer sa lame. Et donc ça serait plutôt une approche diplomate pour éviter toute effusion de sang inutile. Rolf, dis-moi. Eh ben moi, non trop heureux de découper du mousquetaire... je vais dégainer ma lame et je vais vraiment rentrer dans l'art du groupe qui a pas voulu m'écouter, quoi. Okay. Vraiment. Donc, pour leur dire force, arme blanche, scorg. Donc du coup ça va être force et bagarre. Ivar, du coup dis-moi tout. Donc effectivement ça va être astuce et reddition. Ok Marinette, let's go pour t'aider. Fiora, à toi. Ouais. Alors, je vais dépenser 3 points d'héroïsme également. Avec. C'est parti. Wow. Oh, joli. Rolf, à toi. Oh, ouais. Là, il était chaud. Dommage. Scorg. Ouf. Il manque Igvar. Moi j'ai pas fait de jet, moi. Ah t'as pas fait ton jet, pardon, excuse-moi, vas-y fais ton jet pendant que je... Ouais.
Oh bah, ah, ouais, en fait, c'est bien, mais c'est pas si bien que ça. Ok, donc c'est vous qui avez l'initiative, du coup, Fiora, c'est toi qui as l'initiative. Alors, juste pour savoir comment se... Qu'est-ce qui... Quel est le phénomène déclencheur Ben, littéralement, Scorg qui a eu un mouvement hostile par rapport aux gardes et qui se sont mis en position défensive directe, ou presque. Ok, mais il n'y a pas eu encore de lame dégainée. Enfin, je veux dire, on n'en est pas au ouais, point... C'est en train, effectivement, de se lancer. T'as toujours la possibilité de désavancer le truc, hein. Donc les mousquetaires, eux, sont en train de fouiller notre chariot, c'est ça ? C'est-à-dire que c'est ça. Il y en avait un groupe qui était en train de fouiller, enfin quelques-uns du premier groupe qui étaient en train de fouiller le chariot, qui avaient trouvé le coffre et qui avaient fait signe aux autres qu'ils avaient trouvé un truc chelou. L'autre groupe, du coup, s'est pointé pour voir, tout en gardant Rolf des yeux, et c'est là que Scorg a décidé de foutre sur la tronche avec une planche au premier groupe, mais ben, évidemment, il y avait genre un mec qui fouillait et les trois autres qui regardaient, donc ben, ils le voient et ils ont commencé à tirer leurs épées au moment où Scorg a sorti sa planche. Et le sarcophage a déjà été... Enfin, au niveau du sarcophage, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de le... Bah, ils essaient de le prendre, effectivement, et de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Probablement, c'est ce que tu te dis. Mais ils sont montés dans le chariot sans... Bah, ils ont commencé à tirer, justement, le sarcophage hors du chariot. Ah, hors du chariot, carrément. Pas l'ouvrir dans le chariot pour voir non, ce qu'il y avait dedans. Ils peuvent pas, il y a trop de bordel dessus. Ah, ok. Ils peuvent pas accéder aux serrures, hein. Donc je vais crier un peu à la Monica Bellucci le... Ok, à destination de qui? À destination de tout le monde, de tous ceux qui... de tous les personnes belligérantes qui ont dégainé ou qui s'apprêtent à combattre. Ok, tu y penses quand même. Pour rappeler à la bonne raison tout le monde que les effusions de sang ne sont pas nécessaires. Je vais dépenser 4 mises. Ben du coup, par résultat, vous avez tous perdu une mise. Ah, merci. Ok. Même moi qui suis pas en mode belligérant. Ouais, littéralement, parce que le AC, ça pouvait aussi bien te dire arrête tes conneries ou arrête de combattre. Donc même toi, absolument. Oh putain. Comme si j'en avais déjà pas assez. Et eux, ça leur fait quoi? Bah, eux, effectivement, ils ont pour l'instant toujours l'épée au fourreau. Ils sont en train de regarder ce qui se passe, de voir. Du coup, Rolf. En gros, est-ce que je peux utiliser mon avantage regard impérieux avant que ça se gâte avec lui? Dis-moi. Et on dira pas que j'aurais pas tout fait pour éviter le combat. Littéralement tu peux, mais ça va faire juste moins un brut en fait dans le squad d'en face. Ah ok, lui il est pas considéré comme le chef-chef, s'il se barre, les autres n'ont pas quoi. Ouais. Ah ok, ça marche. Bon, bah tant pis, hein. J'aurais tout essayé. Donc tu peux, hein, aller voir à peu près après l'effet que ça fait, mais c'est à toi de voir. Eh ben, ouais, de toute façon, j'en ai 4. Ok, je vais dépenser un point d'héroïsme. Ok, par contre, on va voir du coup que tu te déplaces. Ouais. C'est à hauteur de Malzerbe à peu près. Tout à fait. Et ensuite, du coup, qu'est-ce que... Et en gros, je le regarde et je lui dis... Écoutez-moi bien. Nous sommes ici en mission sous l'autorité de Rabot. Vous connaissez Rabot, c'est votre lieutenant-capitaine. Que sa juridiction ne soit pas ici, je m'en fous, je veux pas le savoir. On doit impérativement passer. Et si vous avez envie de nous en empêcher, eh bien vous en référez aux autorités compétentes. Et par là, j'entends aussi votre empereur, Léon Alexandre. Est-ce que je suis clair? Alors du coup, effectivement, lui, il n'avait pas forcément envie de vous combattre déjà, mais là encore moins. Et pour le coup, il est en train de regarder le chariot et tout, il fait « Je comprends bien, mais comprenez aussi que nous avons ordre de fouiller tous les chariots qui sortent de Charous. Et par définition, votre chariot en fait partie, peu importe la mission que vous ayez. Donc si vous avez des papiers attestant de votre mission, donnez-les-moi, il n'y a pas de souci, j'en ferai référence, mais... » Et bien sûr qu'on a des papiers. Kowalski. Et là, je lui demande la lettre cryptée codée, là. Kowalski, la lettre. Comme ça, il ne saura pas la lire, lui. Il va être comme un con. La lettre. Oui, d'accord.
comprenez que cette mission est d'importance. On n'aurait pas tout ça. Alors soit vous nous laissez passer, soit on se met sur la gueule. Et vous voyez, du coup, vous... Et tu lui montres ça. Oh putain, le charabia. Bah, il s'y connaît. Bah tant mieux. Bah, au moins, ça donne encore un peu plus de facture à notre mission. Et d'ailleurs, il fait, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Y a pas de sous, y a rien, y a pas de nom. C'est de la saloperie, votre truc. Et il commence à voir la réduire en purée pour la balancer. Merci. Ça peut me servir de papier pour prendre des notes. Vous faites ce que vous voulez, mais comme je dis, moi j'ai des ordres. Hein, et les ordres sont les ordres. Et nous aussi, nous avons les nôtres. Et nos ordres sont nos ordres. Il y a comme qui dirait un problème. Bah écoutez, on va faire simple. Vous restez ici, on envoie un de vos gars en ville pour récupérer les papiers. Ça va être long. Mais du coup, pendant le temps qu'on attend, alors, on peut observer votre collier ou pas? On verra, ça dépendra de la qualité de vos compatriotes, dit-il en regardant les uns les autres. Ah non, pas un meilleur, nous on a hâte de garder la route. Par contre, un de vos petits gars là, ils vont y aller. Moi je peux pas bouger, hein. Moi ce mécanisme. Il va rien nous donner, enfin genre. On va aller chercher quoi en fait. Ça, non, mais là, c'est bonjour, monsieur l'empereur. Voilà. On a un peu. Ah non, mais toi c'est. Je voulais faire un coup de bleu, je pensais que ça allait faire chier, mais. Du coup, je dépense un point de danger. Et il y en a deux du groupe qui sont face à toi, tandis que tu regardes effectivement ce qui se passe de l'autre côté, score ici et là, qui se tire avec le coffre. Je dis à Rolf, Rolf, arrête de discuter, t'es pas bon pour ça. Ils sont en train de se tirer avec le coffre pendant que t'essayes de faire ton. Ton pacifiste là. Top initiative. T'as 10 secondes pour décider ce que tu fais. 10, 9. Eh ben. Bah, je vais foncer. Tant pis, hein. Je bouscule Malzer, rien à foutre. Et au passage, en passant, je crie à Skorg. Et toi, t'es pas censé les empêcher de le prendre, ce foutu coffre? J'attendais que t'aies fini ton putain de Laius. Ah, parce que ça Monsieur... t'intéresse. Rolf, 2 minutes d'athlétisme pour pouvoir les rattraper. Ça marche. Du coup, Marinette, dis-moi ce que tu fais. Du coup... Donc t'as vu Rolf cavaler, s'engueuler au passage avec Skorg, et pendant ce temps-là, les deux mecs sont toujours en train de se tirer avec le coffre. Bah je me dirige vers eux et... J'attaque. C'est fait dans la menace. T'attaques lesquels du coup? Ceux qui sont avec le coffre. Ok. Je dirais comme... par suite de justice, je dirais comme Rolf, il va te falloir une mise d'athlétisme pour les rattraper. Donc 2, vu que t'étais pas en athlétisme. Mmh. Donc ça me fait dépenser 3 mises. C'est ça, ça te fait dépenser tes 3 mises si tu vas attaquer. Mais néanmoins... Ben du coup, toi, t'as peut-être effectivement une manœuvre qui te permettra d'éliminer 2 brutes d'un coup. Parce qu'il faut en gros que tu fasses 2 blessures. Donc regarde laquelle de tes manœuvres te permettra de faire 2 blessures d'un coup. Ah, c'est 3, c'est la taillade. Ok, ben tu nous fais une taillade du coup. Donc dis-moi comment tu fais ta taillade, parce que deux mecs qui courent avec le coffre. Vraiment, j'imagine la scène de Pirates des Caraïbes avec les deux qui se battent avec le coffre en mode... en train de se tirer. Sauf qu'il est un poil plus gros. Donc il y en a un devant, un derrière. Donc un qui soutient l'arrière, un qui a les deux mains à l'arrière de son dos pour tenir le coffre et qui court. Bon, j'attaque d'abord celui qui est derrière, celui sur lequel j'arrive. Je coupe les mains, quoi, et
Du coup, c'est pour que le coffre tombe, qui déséquilibre et déstabilise celui qui est devant, et je m'occupe de ses affaires. Bien joué. Du coup, Igvar, Rolf, Fiora, Scorg, lequel d'entre vous? Moi, ma planche. Oui. Ok, donc vas-y. Bah, je vais péter ma planche, tu vois les deux qui me regardent vraiment hein, comme des cons. Alors, ils sont quatre, hein, ils sont pas deux. Il y en a pas un des groupes qui s'est scindé en. Le groupe qui est pile celui-là, attends, je vais compter avec le ping. Celui-ci, ils sont quatre, et l'autre à côté de lui, ils sont six. Hein. D'accord, bah, j'utilise mes demi pour en abattre deux avec ma planche. Rolf, Igvar, Fiora, lequel d'entre vous commence? Moi j'ai toujours le capitaine en face de moi, c'est ça? Le capitaine pour l'instant il regarde un petit peu, mais qu'est-ce que vous êtes en train de foutre, bande de cons? Et voyant le regard furieux de Rolf, je dirais qu'il s'est barré en courant, capitaine. Ah, d'accord. À quoi? Là, j'ai... Ah ouais, littéralement, disons qu'il a vu Rolf péter un câble et vouloir se jeter sur lui, donc là il est loin le capitaine. Non mais c'est quoi ce capitaine? C'est quoi donc, ce capitaine qui vole des... J'ai personne autour de moi là en fait. Si, t'as... T'as le groupe, ils sont combien? Ils sont 5, 5 4, coup, c'est ça? 5! Et je suis tout seul! Bah, avec un vieux! C'est ça. Je dis rendez-vous et vous aurez la vie sauve! Voilà, ce serait de l'intimidation ça. Ah, c'est de l'intimidation? Ah mince. Ouais, vas-y, je tente ça pour rire. Ok. T'as pas sûr si la personne, donc ça te bouffe tes deux mises pour une? Ouais. Et du coup, effectivement, il y en a un de moins. Qu'est-ce que tu préfères, le groupe qui est face à Scorg ou le deuxième groupe qui est face à Scorg? Gauche ou droite? Le groupe le plus droit que moi. Ok. Super. Rolf, Igvar, lequel de vous deux? Tu veux? Non, vas-y. Ok. Bah écoute, moi je suis du coup à côté du coffre, hein, c'est ça? Ouais, ça, t'es à côté. Enfin, il y a Marinette et toi qui êtes à côté du coffre, je dirais. Ok. Ça va. Je dirais que toi, tu sais, tu connais au train du derrière, celui qui soutenait par l'avant le coffre, et puis bah, il s'est fait découper les mains par Marinette, et derrière l'autre, t'as tout le coffre en pleine race. Donc, à la limite, tu t'es juste arrêté à derrière. Ok. Je suis relativement loin du groupe, comment je ping, du groupe qui est en face de Scorg. Ouais, t'as fait une mise d'athlétisme pour... non, pas celui de Scorg, ça va, c'est celui de Rolf, de Igvar, pardon, je suis tout savoir fait, qui est trop loin pour toi, il te faudrait de l'athlétisme pour pouvoir le faire. Ok, alors du coup, j'avise le groupe de Scorg, et je leur fais, en ayant ma lame au clair, eh bien, personne ne pourra pas dire que j'aurais tout tenté. Et je dépense mes deux mises pour en dégager deux. Bien, c'était les deux qui restaient dans ce groupe-là, bravo. Et donc, du coup, bah, j'essaye bien que mal de pas les tuer malgré mon envie irrépressible. Mais c'est ça, je tranche des mains également, des jambes. Effectivement, c'est faut la mort, les deux ils sont assez surpris quand tu te jettes sur eux. Et coup de manche dans le premier, du coup, qui s'effondre assommé. Et le deuxième qui essaie de te faire un truc, et lui qui prend littéralement un coup de tranchant en fait d'épée, il s'effondre au sol. Bon, il est pas mort, mais il va bouffer de la compote pendant un moment. Il va. Écoute, je vais sortir mon. Déjà, je vais pousser Balzer derrière moi. Ok. Et je vais sortir une de mes dagues. Et je vais au moins l'acheter sur l'un de mes agresseurs. Ok, donc 2 pour 1. À moins que je puisse me servir de mon astuce et de mon érudition pour faire un truc spécial, mais je crois pas. Après, je vais te jeter Malzerbe sur eux. Le jeter de vieux. Et du coup, c'est pareil, tes dagues, pour le coup, c'est pas forcément comme Fiora. Parce que Fiora, il y avait des aiguilles d'une part et des dagues d'autre part, et c'était vraiment des trucs effilés, genre stylés. Toi, ouais. C'est vraiment le truc qui tient, tu sais, entre deux doigts. La petite lame, genre de... Une lame coup de poing? Ouais, plus ou moins, tu sais. Qui peuvent se lancer aussi, qui sont hyper fines. C'est, tu sais, ce qui est genre un demi-kunai, plus ou moins. D'accord.
et ce qui est assez pratique, on va dire, justement pour sortir rapidement du vini connu. Et donc effectivement, c'est ce que tu fais. T'es là en mode, putain, la babiole. Et puis d'un coup, tu vois, c'est merde, je suis dans la merde. Et bon, tu fuis sur toi, c'est le premier truc que t'as. Tu te dis, j'ai pas le temps pour le coup de feu. Du coup, tu sors effectivement de ta manche une de ces petites lames et tu lances directement sur une des brutes qui sont face à toi. Et il y en a une qui s'effondre. Les quatre autres se jettent sur toi. Super. Merci les gars. Du coup, on est au palier 15. Les dégâts des brutes doublés. Donc ça veut dire que tu prends 8 points de blessure directement. Donc effectivement, ils se jettent sur toi donc assez violemment. Disons que t'as pas grand chose pour te défendre du coup vu que t'étais pas prêt, donc c'est coup d'épée sur coup d'épée, et puis à un moment il y a effectivement une lame de rapière qui passe et qui passe hyper mal en fait entre deux côtes. Skorg, de l'autre côté, les autres t'ont vu tabasser leurs potes et ont vu Ethan, mais bon bah Kira, qu'est-ce qu'elle a pu tuer, c'est pareil. Et du coup ils vont tout simplement se jeter sur toi. Donc toi tu en prends 10 points de blessure. Donc là c'est pareil, il y en a un qui t'attrape, qui te jette au sol et les autres sont en train de te faire « Saloperie d'enfant, merde !» Et ils sont en train de te foutre des coups de latte, des coups d'épée, enfin c'est un petit peu le bordel et tu prends gras la sauce. Du coup c'est reparti pour un tour d'approche. Marinette, approche, dis-moi tout. Quelle va être ton approche? Il reste environ 9 brutes, c'est ce que je montre. Ouais, 9 brutes. Je reste en mode duiste avec mes épées et je tente d'aller secourir Skorg. Oh, ok. Eh bien, du coup, ça va faire arme blanche finesse. Rolf. Eh ben, écoute, je vois que Marinette semble foncer vers Skorg. Je lui fais confiance. Je sais qu'elle est très douée là-dedans et je vais moi foncer sur le groupe de Dikvar. Ok. Et puis ben voilà, pareil, je vais essayer de l'aider au maximum. En utilisant la même. Mes armes, quoi. C'est arme blanche ? Ok, tu vas pas foncer dans les six points dessus. J'ai hésité, mais je me dis qu'après. Ça va pas changer grand chose. Autant que j'utilise. Au mieux, j'ai confiance, mais pas. Tu pourrais y aller en mode plaquage. C'est un peu ça. Ouais, je pourrais aussi, ouais. C'est sûr. Ça pourrait leur faire perdre peut-être un tour, peut-être, ouais. Ouais, pourquoi pas. Allez, tentons ça. Allez, je vais le prendre de Berzin. Pour le rejoindre, sur les armes. Ouais, d'accord. Bon, bah, du coup, autant l'utiliser à fond. Ouais. Vénère déjà demain, parce qu'il y a un artefact probablement très intéressant qui vient de passer sous le dé. Et là, j'ai 4 glandus qui se disent qu'ils vont pouvoir me mettre cher. Donc je vais sortir mes deux pétards, mes deux pistolets. Je vais quand même éviter de tous les tuer. Je vais viser le plus possible en fait les parties molles du corps, de telle sorte à ce qu'ils soient blessés, incapacités, mais pas morts. Quitte à ce que je vise par exemple juste le gras dans les joues pour que ça traverse. Ok, admettons. Du coup, interprétation et brio, plus ta finesse et ton tir. Skorg. Moi, je rentre dans une rage folle. Je suis agacé par la situation. Agacé, disons. Donc, dans ce pays, il y a personne qui accepte les pots de vent. Et qu'en plus, il me matraque au sol à 4. Du coup, je chope ma planche fermement. Et je leur dis, si vous succombez à ça, faites en sorte que le père de tout vous accepte au Valhalla. Fiora, t'avais déjà dit ce que tu voulais faire? Non, bah du coup c'était Fiora. Non, moi ce que je vais faire, je vois que les gens de raison se sont effacés pour laisser passer les hommes d'action, enfin les gens d'action. Donc du coup ce que je vais faire, moi je vais lancer quelques couteaux sur la meute qui agresse Skorg. Moi je pensais que t'allais dire de mettre en boule sous le chariot. Avec Skorg. Poignard directement. Des couteaux de lancer, des aiguilles de mon éventail. Ok, des lames fines, très bien. Dont je ne me sépare jamais, évidemment. Tigre et finesse, j'ai envie de dire. Skorg, je te vois le premier sur la table, vas-y, lance les dés.
Marie-Finette, c'est à toi. Roll, vas-y, ça fera peut-être venir. Alors... Attends. Ah, là je vois. Vas-y. Oh putain. C'est noté. Et enfin, du coup, Fiora. Ouais, alors du coup, attends, je sais pas si ça a pris en compte ma préparation, vu que c'était planté. Si, là, je lance. Ça, c'était de la relance Wars. Hein. Ivar, c'est toi qui commence, qui ouvre le bal. Donc, ça parle mal. Bah donc, du coup, je fous bel et bien un coup de crosse pour assommer l'un des deux qui est devant moi. Puis ensuite, avec mes deux tirs, je tire dans les pieds des deux autres. De deux autres. Comme ça, il en reste plus que un. Ok. Du coup, ça fait 4 mises, il m'en reste 3. Rolf, t'es sûr? Bah du coup, putain, je suis en train de questionner. Ah, Rolf. Ouais. Face à Ivar. Ivar, c'est vrai. Je me dis qu'il pourrait se le faire. Toi qui vois. Alors que l'autre, il en a quand même 8, c'est ça? Non, 5. Ah, 5. Oh, Marinette, elle peut se le faire easy. Oui, elle va se le faire easy. Bah écoute, bah, je vais faire ce que j'ai dit dans mon schéma initial, je vais foncer comme une brutasse. Est-ce que j'ai moyen de décaler en vitesse Malzerbe sur le côté en voyant Rolf foncer comme ça? Tu t'es d'accord, de façon à prendre tous les coups pour lui, donc il est pile derrière toi en fait. Et ouais, pour une mise, je fonce sur le dernier et je lui mets un gros coup de d'épaulière. Ok, donc deux mises du coup. Ok. Pour vraiment le sonner et le foutre au sol, quoi. Bam. Ok. Marinette va nous faire un pas du boucher, tout simplement, quoi. Du coup, elle va nous faire effectivement un pas du boucher, de sorte qu'elle puisse faire donc sa taillade et puis sa fente, qui va lui permettre de dépenser toutes ses mises sur les brutes. Donc c'est pareil, c'est vraiment le mouvement jusque-là. Et donc t'es toujours au sol Skorg avec ta main effectivement qui tient ton morceau d'essieu en main et qui te prépare effectivement probablement à te relever pour le deuxième round. Et au moment où tu t'apprêtes à te relever, en fait, il y a juste des corps qui s'effondrent en fait sur toi de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. Skorg est très frustré. Ça se comprend. Et du coup, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je me relève, je me baisse auprès d'eux et je leur fais « Vous auriez dû accepter l'argent. » Et je balance mon essieu près d'eux. Okay. Et je me remets sur ma charrette, là, en mode passablement énervé. Parce qu'il y a probablement une ou deux côtes qui a pété. L'arcade, effectivement, tu la sens bien et ça va laisser une cicatrice. Rolf, mais je voulais l'aventure, donc je suis content. C'est ce qu'il faut. Écoute, moi je prends celui qui vient de... Ah, j'en prends... Attends, tu me diras, il y a tous ceux aussi que Ygvar a mis hors combat, donc... Bah là, ils sont en train de se tenir le pied, là. C'est ça. Bah, j'en attrape deux par le col, parce qu'ils sont sur le chemin, de toute façon, donc je les prends les deux par le col, je les traîne, et je les balance sur le côté du chemin. En les regardant vraiment en mode regard noir, et je leur dis vous avez de la chance. Ils sont vraiment. Ah ok, parce que il m'a dit qu'ils se tenaient le pied, ils sont peut-être pas forcément inconscients. Si, hors combat, littéralement. Ah ok. Bon bah du coup je les prends et je les balance sur le côté sans mot dire. Faut dégager la barricade. Ouais. Ok. Dégager la barricade, et puis t'as... Du coup, toi, Ivar, t'as Malzerbe qui vient de voir de son côté, qui fait... Bon sang, vous avez encore tué tout le monde. La ferme, rentre dans ta charrette. Et du coup, il te fait... dans le tas, y a pas celui qui avait l'engrenage.
Non, il a fui au premier signe de combat. Tu vois qu'il plisse les yeux, il regarde au loin en mettant sa main sur son front. Bon sang, il est déjà loin, l'enfoiré. L'enfoiré? Ah ouais, tu vois que c'est pareil, du coup il sache un peu le laser. Et il fait, bon bah tant pis. Et il repart un peu déçu vers son chariot. Et pendant que tout le monde dans le chariot, je m'approche à côté du cocher et je fais, qu'est-ce que t'attends, une invitation? En route. Juste pour me m'ôter la suspicion ou la méfiance, le doute, ce sont bien des mousquetaires. Enfin, je les regarde, je fouille tout ça. En fouillant effectivement, tu trouves que ouais, ils aiment mousquetaires au premier abord, mais en dessous les fringues, pas tant que ça en fait. Ah. Donc au mieux c'était des mercenaires, au pire c'était des Célars. Non, des anciens, justement, mousquetaires. D'accord. C'est des gens qui s'étaient fait virer de l'ordre. Ouais. Et donc, vous remontez sur le carrosse. Ouais. Pour certains, assez douloureusement. C'était pas vraiment, effectivement, en fait, le côté violent du combat est surtout soldé à cause de la surprise, en fait, que certains ont eu, et on va dire de l'intervention plus ou moins pacifique de certains. Même si, Fiora, toi, donc, t'es un petit peu... C'est un faux Tifo, je le savais. Parce que t'avais littéralement presque négocié le truc et ils ont réussi à faire foirer ça aussi. Littéralement, reste effectivement cet employeur dont vous les avez entendu parler, notamment toi, Rolf et Marinette qui étaient devant, assez étrange. Ça te reste dans un coin de la tête en disant qu'il y avait quelqu'un effectivement qui a pu les engager pour. Mettre des obstacles sur le chemin d'expédition ou pire, récupérer le coffre, a priori ça va être leurs objectifs. Du coup, la question demeure, qu'est-ce que contient ce coffre? Et tandis que vous avancez et que vous faites donc la petite dizaine de kilomètres qui vous sépare du relais, vous arrivez à l'auberge de la Canne. L'auberge de la Canne voyageuse. Vous pouvez donc retrouver Rimbaud. Son carrosse attend là, criblé de balles. En partie brûlée. Mais apparemment, elle a l'air en bonne santé. Trop malaise. Occupée à boire et à inventer un tas d'histoires aux différents clients sur. Qui posent des questions sur comment c'est arrivé. Pour l'un, elle dit tout simplement qu'elle a dû traverser une rivière de flammes. Pour les tirs de balles, qu'elle a affronté tout un régiment d'Avaloniens pirates qui voulaient en découdre. Bref. Des histoires plus ou moins grandiloquentes les unes que les autres. Dès l'instant que vous arrivez, des chevaux frais sont prêts et le convoi ne s'arrête même pas. Rimbaud paye juste le vin à l'aubergiste et pour son silence. Et la route du convoi reprend. Et c'est ainsi que s'arrête notre session. Et donc du coup, petit tour de table, qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous avez pensé? Je vais prendre effectivement par l'ordre des personnes toujours debout. Ethan, dis-moi. Je me remémore un peu tout ce qui vient de se passer. Eh ben écoute, un voyage des plus mouvementés, qui aurait pu effectivement tourner dans une autre, peut-être une autre manière, on ne sait pas, on ne saura jamais. Et ben content de voir encore que il se passe des choses encore plus incroyables à chaque fois entre nos personnages. Et c'est plutôt cool. J'ai hâte d'avoir des moments un peu plus posés aussi pour apprendre à connaître chacun. Mais voilà, il y avait encore des frasques un peu rigolotes avec ce bibelot qui a tiré quand même deux mecs. C'est complètement fou. Les deux merdes, absolument. Donc bon, hâte de voir ce qui va se passer encore. Ivar, du coup. J'ai pas les encrenages, quoi. Tu veux savoir ce que mais c'était ou tu veux vrai, garder du mystère Je vais dire en vrai qu'est-ce que c'était ton truc là. C'était une merde, c'était un bibelot. Moi je pense que c'était. Je pense que c'était pas un artefact qui permet de. C'était... Je suis presque sûr que c'est un truc qui permettait de déverrouiller ce coffre. Non. Pourquoi non. Des brigands auraient eu justement ou des mercenaires auraient eu la clé du coffre aussi. Je sais pas. Je sais pas s'il y a quelque chose d'enfermé à l'intérieur et qu'ils veulent le libérer. Non mais par exemple, ils font partie d'une secte ou une connerie comme ça. Mais non, c'était juste un Rubik's Cube quoi. C'était un Rubik's Cube exactement.
qui avait l'air précieux de loin, mais en fait qui était littéralement derrière. Fier, dis-moi tout. Ah, désolé. Bah, c'est assez compliqué de se placer dans ce groupe dont la violence est à peu près la seule issue. Hey, j'étais pas violent, moi. Hey, moi non plus. Mais ouais. Non, sinon ça va, c'est... Comment dire, c'est compliqué de jouer une femme dans un groupe de gros bois. C'est que surtout que t'avais un avantage que t'as pas utilisé, toi. J'avais un avantage que j'ai pas utilisé, mais... L'avantage, tu parles ? Ouais. Parce que t'aurais pu tout simplement régler le truc sur avec ton avantage, c'était un malentendu. Ouais, mais... disons qu'ils ont rien dit, en fait. Il n'y a pas eu de parole. Si, t'as quand même entendu les deux autres qui étaient là en mode « Oui, oui, si, on a des papiers, regardez cette belle lettre qui a été écrite par l'empereur lui-même, blablabla, blablabla. » Ouais, mais encore une fois, je pense que... on serait quand même finalement tombé sur un combat, parce que les autres voulaient trop en découdre. De toute façon, on a un qui voulait fumer du mousquetaire de base. Hein, donc, De toute façon, peu importe les efforts que j'aurais pu développer, ça serait fini à coups de pied de biche et de pied de table, je sais pas quoi. Mais littéralement, donc, t'aurais utilisé cet avantage-là, je t'aurais laissé justement l'initiative de dépenser tes mises de persuasion derrière pour voir si tu pouvais changer les choses. Ouais, ouais, mais bon, j'ai quand même, je pense, fait ce que j'ai pu, en tout cas. Parce que les deux autres, c'était tellement menaçant que c'était impossible que ça passe un petit peu aussi. J'ai fait ce que j'ai pu, peut-être pas du mieux, mais au moins, j'ai pas cédé à la facilité. Scott, dis-moi tout. Bah pareil, c'était drôle. Assez déçu qu'ils soient tous, comment dirais-je, ils ont tous une conscience professionnelle et qu'ils refusent les pots de vin. Je trouve ça assez... J'ai envie de dire, c'est assez évocateur, si tu réfléchis bien. Parce que ça veut dire que quiconque, justement, les paye beaucoup plus, et infiniment plus s'ils sont capables de refuser un pot de vin en direct. Ouais, bien sûr, mais bon. Ça m'a fait rire le côté tout le monde veut enfin presque tout le monde veut se battre et que t'as Ivo que t'es qui fait son manipulation. Ah oui, je suis très content de vous avoir retiré des points d'action. Ah mais j'étais magnifique. Ah oui, mais en plus en plus genre, ça n'a servi à rien sauf nous handicaper nous. Bah ouais, moi c'était pareil, j'ai eu bien plein d'interactions, j'ai bien aimé vous mettre les nerfs à vif en disant tiens, il y a un mec là qui se bat et tout, et que vous étiez en mode full party en mode putain, qu'est-ce qu'il fait ce mec, on sait pas et tout, ça se trouve, il nous observe, etc. Et puis bah non, c'est juste un poivreau qui retourne chez lui en fait. Mais pour pas passer à autre chose, après l'esprit d'équipe, genre sur la charrette, c'était cool. Ouais, c'était cool. Chacun l'esprit d'équipe. Son poste et tout ça. Ah oui, sur ton poste, oui. Ah bah en tout cas, merci à vous d'être venus. On se retrouve du coup tous très bientôt pour la suite. Et puis, bah, donc d'ici là, n'oubliez pas, restez bien connectés. Allez, ciao, salut tout le monde.